In verband met een vergadering, denk ik. U moest stand-by blijven vanavond? Ja. Weet u wat er uit de bus is gekomen? Ongeveer, ja. Bientôt, à 11h, le Conseil des ministres. Est-ce qu'on a déjà des pistes? Oui, il y a des pistes intéressantes qui permettent finalement d'assurer une vraie solidité et qui, dès lors, va rassurer l'ensemble des épargnants. Est-ce que la Belgique aura une minorité de blocage? Vous pensez vraiment que je vais dire quelque chose? Met 25% aan het einde van het proces voor de staat en voor de rest voor de 75% hebben wij. Ben ik bijzonder verheugd van u toch mededeling te kunnen doen van, ik zou zeggen, de derde stap in het reddingsdossier voor de Fortis-groep, namelijk een akkoord rond de intrede in de Belgische bankwereld van BNP Paribas. Door een belangrijke participatie in de Fortis-groep. Eerst is de continuïteit van het bedrijf, wat meteen ook de tweede doelstelling diende en dient. Une banque européenne de premier plan, BNP Paribas, assurera à Fortis Banque Belgium les conditions nécessaires à la pérennité du groupe bancaire et à son développement, et ce, aux côtés, au niveau de l'actionnariat, aux côtés de l'État belge. En die inkomsten zal vertegenwoordigen die staan. Nous allons donc investir 4,7 milliards complémentaires pour faire la deuxième part des 100% de Fortis Belgique. C'est la première opération que l'on fait et cette opération va se traduire ensuite par une cession de 75% de cette participation à BNP Paribas, ce qui nous permettra de garder 25% dans la banque belge. Le reste de l'acquisition se transformant en une détention par l'État belge de participation dans BNP Paribas lui-même, ce qui fera d'ailleurs du gouvernement belge, l'État belge en tout cas, le premier actionnaire du groupe BNP Paribas. De la Banque de l'Europe, dont est armée pour verzekerd is. Monsieur le Premier ministre, pour BNP Paribas, ce soir nous ouvrons un nouveau chapitre essentiel. Avec un grand projet européen pour BNP Paribas, en partenariat étroit avec les États de la Belgique et du Luxembourg. D'accord. Est-ce que vous pouvez chiffrer le coût de l'ensemble?